pour les amis de santé et divertissement. Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Comment guérir la mauvaise haleine en 2 minutes naturellement? La plupart des problèmes de mauvaise haleine peuvent être résolus avec une bonne hygiène buccale, le brossage correct des dents, des gencives et de la langue et l'utilisation de rinçage modéré. Bien que parfois il y ait un certain besoin de rinçage, dans certains cas, ils peuvent être coûteux et c'est pourquoi il existe des moyens plus simples, moins coûteux et plus naturels pour traiter ce problème. Comment guérir naturellement la mauvaise haleine? La première est une recette de jus de pomme avec des carottes et des tomates. Cette recette est pleine de fibres, de vitamines et de minéraux qui aident à l'hydratation orale et au maintien de la santé de cette région. Comment guérir naturellement la mauvaise haleine? Vérifiez les ingrédients. 1 tasse d'eau. 1 portion de carotte. 1 portion de pomme. 1 portion de tomate. Comment se préparer? Apportez tous les ingrédients au mélangeur. Mélangez jusqu'à obtenir un mélange homogène et buvez une fois par jour. Connaissez maintenant une autre recette puissante pour mettre fin à la mauvaise haleine en quelques minutes. Pour cette recette, vous devez le jus de 2 citrons, une demi-cuillère à soupe de thé au miel pur, 1 cuillère à café de cannelle moulue, 1 tasse d'eau chaude. Mode de préparation. Mélangez le miel à la cannelle dans un bocal en verre. Après cela, versez l'eau chaude dans le mélange et ajoutez le jus des citrons. Immédiatement, couvrez la bouteille et mettez-la au réfrigérateur. Rincez-vous la bouche chaque jour avec le mélange préparé et vous remarquerez la différence en moins de 2 minutes. Cette recette est très puissante grâce aux propriétés antibactériennes du miel et de la cannelle. Si vous aimez le contenu et l'information de la perte de poids, des recettes, astuces pour la santé, rejoignez-nous dans le groupe Santé et Divertissement sur Facebook, vous pouvez le rechercher comme ça, et nous rejoindre pour plus de contenu et de dynamique. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, prendre du poids, tomber enceinte, infection vaginale, éliminer les kystes, comment traiter le diabète naturellement, des conseils de santé ou des recettes pour la santé et pour vous faire paraître beaucoup plus belle, recettes pour la chute des cheveux, conseils en amour, faites-nous savoir. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Si vous l'avez trouvé intéressant, important, n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille sur Facebook. Merci, que le grand Dieu vous bénisse.